que vous êtes comme moi, mais je trouve qu'il y a des trucs bizarres sur Facebook en ce moment. J'ai posté deux articles, entre autres, hein, peut-être qu'il y en a que j'ai pas vu passer, hein, mais j'ai fait deux posts, donc, sur, et ils étaient basés sur des journaux qui racontent, comme tout le monde sait, la plupart du temps, des bêtises. Mais pour le coup, là, c'était plus ou moins vrai, ça sonnait relativement juste. Alors, j'ai reçu, en loose day, des messages de Facebook par Messenger en me disant que les posts que j'avais faits étaient faux. Je ne sais pas s'ils me les ont supprimés ou pas, je n'ai pas fait gaffe hein, parce que je ne vais pas trop regarder, je poste selon mon envie, selon ce que je ressens ou pas, donc je n'ai pas été voir s'ils avaient été supprimés ou pas. Sur le coup, ils l'avaient pas supprimé, mais bon. Mais ils sont venus me voir via Messenger en me disant que ce post-là, c'était un fake, c'était une mauvaise information. Bon, alors faut dire que c'était, il y en avait un, c'était La Tribune, ouais. Ça venait du journal La Tribune, et l'autre c'était. Je sais plus quoi. Bon, enfin bref. Je crois que c'était une vidéo de LCI, je crois. Je sais plus. Ouais. C'était... Il y en avait un, c'était sur le professeur Raoul, et l'autre, je crois que c'était pareil, en fait. Je sais pas. Je sais plus. Enfin bref. Je sais plus de quoi il parlait. Ces postes, toujours est-il que ça a dû les interpeller, parce que ils sont venus me voir en me disant « C'est des fake news. » Ah. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Facebook maintenant met un stop aux journaux qui d'habitude ils font rien hein, contre un, hein, ils sont même d'accord. Hein. Et là pour le coup, fake news. Ah mais ils me l'ont pas, je suis pas sûre qu'ils me les supprimaient. Hein. Juste, ils sont venus me voir en Messenger. C'est hallucinant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je trouve que c'est hallucinant. Je comprends pas trop ce qui se passe là. Est-ce que... Alors, on interdit... Facebook se permet de dire où sont les fake news ou où sont pas les fake news. Comment il sait Facebook que c'est une fake news ou pas? Il a été faire des recherches, il a... comment ça se passe? Comment ça se passe? Ben, je sais pas. Faites attention aux posts que vous allez faire parce que Facebook va venir vous voir en loose day. Hein. Ah, ça fait peut-être partie en fait parce que maintenant, soi-disant, Facebook fait très attention à ce qui est posté... à tous les posts qui sont faits suite à la 5G et tout le reste. Alors tout ça, tout ce qui concerne la 5G, ça disparaît. On ne sait pas trop pourquoi, hein, après tout. On ne sait pas trop pourquoi, vu que ça existe. Hein, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de les poster, puisque ça existe. Et tout le monde sait qu'elle existe, la 5D. Alors, la 5D, pardon, lapsus. Elle existe aussi la 5D. Mais bon, là, je parlais de la 5G. Je comprends pas pourquoi. Non, j'en ai parlé autour de moi. Puis non, je sais pas. Ils font du ménage, mais du ménage comment? C'est ça que j'aimerais bien comprendre. C'est jusqu'où elle va, notre liberté d'expression, en fait? Est-ce que on n'a pas le droit de poster des choses qui, en fait, ne sont même pas secrètes? En fait, c'est juste des secrets de polichinelle, puisque tout le monde est au courant. Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Qu'est-ce qu'ils veulent pas qu'on sache? Qu'est-ce qui les dérange dans le fait que on fait des posts
On fait des posts sur des choses qui existent, puisque tous les réseaux en ce moment, enfin les réseaux, les serveurs en ce moment, que ce soit Orange, SFR et tous les autres, mettent la fibre, attendent la 5G, etc. Et là, qu'on le dit que c'est en train de se faire, etc., etc., pof! Ils viennent en loose day pour vous dire, ouais, c'est un fake. Nous, c'est un fake. À quel moment c'est un fake? Je sais pas. Alors, je sais pas. Peut-être que on n'a pas la même façon de voir ce que c'est qu'un fake ou pas. Je sais pas. Ou peut-être qu'ils voudraient peut-être qu'on dise que tout va bien. Que la 5G est très bonne pour notre santé et que tout ce qui se passe sur la 3D, oui, la troisième dimension, ouais. C'est très bon pour nous et que tout va bien, mes amis. Je comprends pas. Alors, est-ce que je suis la seule ou pas à qui c'est arrivé? Si c'est le cas, bah dites-moi, ou si c'est pas le cas, bah dites-le, hein, postez en dessous. Dites-moi ce qu'il en est, parce que franchement, ça m'a interpellée. Deux fois de suite, ils m'ont fait le coup. Alors, je comprends pas. Par contre, j'ai posté des trucs autres que ça, et j'ai pas été bloquée. Ils sont pas venus me voir, et beaucoup plus important, et ils sont pas venus me voir. Mais là, pour le coup, je sais pas. Ils doivent être allergiques à la 5G, ils ne doivent pas vouloir qu'on poste des trucs sur la 5G ou je sais pas. Donc du fait, ah oui, ça y est, je sais. Du fait qu'on est en confinement, peut-être qu'on n'est pas censé être au courant que ça continue, que la vie continue derrière et que en fait c'est peut-être pas des masques et de l'alcool du liquide hydroalcoolique hein, qu'il faudra aller chercher en pharmacie. C'est peut-être de la vaseline au final parce que pendant le confinement ils en profitent pour faire passer des décrets. Oui, alors il y a des décrets qui surplantent les lois, il y a la 5G qui se met en place. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça, ouais, mais on n'est pas censé être au courant puisqu'on est en confinement. Comment ça se fait qu'on est au courant alors que à la télé ils n'en parlent pas et que. Bah, surtout pas la télé. Hein, et puis les journaux non plus d'ailleurs, ils n'en parlent pas. Donc comment ça se fait qu'on est au courant, sérieux? Oh, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces moutons noirs là? Bah, putain, c'est hallucinant là, le. Je sais pas. Je sais pas. Alors oui, alors pour information, comme je l'avais dit, je vous le dis, je sais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout ce qu'il a dit le petit monarque là hier, parce que j'ai pas vu, non, j'ai pas vu, et ça m'intéresse pas. C'est mon mari qui m'a fait un rapport en me disant que le confinement aurait lieu jusqu'au 11 mai. Bien. Et qu'à partir du 11 mai, il y aurait sûrement les écoles qui allaient réouvrir. J'adore. Donc, les écoles vont réouvrir et peut-être, hein, éventuellement, il se pourrait. Hein. Et beaucoup de gens vont se remettre au boulot, forcément. Mais oui, bah ouais, faut bien faire tourner ce système, hein, parce que là, il est en train de te casser la gueule, et puis, ah, faut pas, faut pas. Sauf que je pense que c'est un peu tard, hein, je sais pas pour vous, mais moi, je pense que c'est un peu tard, là, déjà, pour relever tout ça. Oui, alors, donc, ils vont faire travailler davantage les gens, forcément. De 35 heures, ça va passer à beaucoup plus, hein. Et vous allez sûrement pas gagner plus. Moi, je sais pas, hein, peut-être que j'affabule là, je sais pas. J'ai pas entendu le discours, j'ai pas voulu. Moi, c'est pas compliqué. Ce petit monarque, hein? Alors, personnellement, pour moi, il me fait. Il n'existe pas, mais bon, faut croire qu'il existe pour d'autres, donc on me rapporte les informations. Et donc, ce petit monarque aurait donc dit que les écoles allaient reprendre à partir du 11 mai, à moins qu'ils nous le reportent à plus tard. À voir.
Moi, que ce soit le 11 mai ou le 19 septembre, mon fils n'ira pas à l'école. Voilà, c'est décidé, hein? Mon fils n'ira pas à l'école, je me débrouillerai autrement. Je ferai appel à une aide extérieure si c'est nécessaire, mais il n'ira pas à l'école. Non. Non. Donc, on va pouvoir le retirer de la liste, hein, parce qu'il n'ira pas à l'école. Et puis, on m'a dit, j'ai entendu aussi, j'ai ouï dire, on va dire, hein. J'ai ouï dire que tous les enfants qui n'auront pas, qui n'iraient pas à l'école, les parents seraient visités par des organismes s'occupant des enfants pour leur retirer les enfants, vu que ce n'est pas des bons parents, vu qu'ils n'en vont pas à l'école. Je vais vous dire un truc. Moi, mon fils, quitte à me menotter à lui, hein, ils ne me l'enlèveront pas. Hein. Ah, ça, pas question. Mais de toute façon, je vois même pas pourquoi je dis ça, parce que je suis pas concernée par ce monde-là. Je fais ce que je veux à partir du moment où mon enfant est en bonne santé, qu'il a de l'instruction, parce que je vous rappelle quand même que la scolarité n'est pas obligatoire, mais l'instruction est obligatoire, ce qui sont deux choses différentes du fait que ben, vous pouvez instruire votre enfant à l'école, donc pas obligé de l'emmener. Vous pouvez instruire votre enfant à la maison, donc pas obligé de l'emmener à l'école. Voilà, ça résout pas mal de problèmes. D'autant plus qu'à la maison, mon fils, il a appris des choses, à faire des choses qu'il n'aurait sûrement jamais appris à l'école. Il a une instruction différente, on lui apprend différemment, mais il a appris plus vite à lire en 2 semaines à la maison que en 3 ans à l'école. T'as un truc qui déconne là? Y a pas un loup là, quelque part? Je sais pas, hein, mais. Bah, je vois pas l'utilité de l'école au final, je vois pas. Je vois pas. Non. À part leur apprendre des trucs dont ils n'auront absolument pas besoin dans le futur, je vois pas l'utilité. Donc, voilà. Les dernières, donc, non. Je l'ai pas écouté, ce cher petit monsieur, parce que déjà, moi, rien que de l'entendre, ça me fait des. Ça me fait des dans les oreilles. À chaque fois qu'il prononce un mot, ça dans les oreilles. Non, je supporte pas sa voix. Non, non, c'est comme si vous savez quand vous tournez, quand vous écoutez la radio et enfin les anciennes radios, hein, parce que maintenant ça fonctionne plus comme ça. Hein, d'ailleurs, des radios, il n'y en a plus. Il n'y en a plus beaucoup. Dans les voitures encore, peut-être des postes de radio, ouais, mais sinon à la maison. Des radios, les chaînes comme on avait avant, où on pouvait mettre des cassettes, des disques, ou écoutez, la radio, ça n'existe plus. Non. Et ben, mais pour ceux qui connaissent, hein, et pour ceux qui ont encore une voiture avec une radio dedans, vous savez, quand vous cherchez le canal, là, hein, et que ça vous fait des et ben, quand notre petit monarque parle, ça fait pareil dans les oreilles. Je supporte pas. Je supporte pas. Donc, bah, je l'écoute pas. Et puis, de toute façon, ça sert à rien. Pourquoi? Il nous dit toujours la même chose. Alors, merci aux soignants. Il nous dit merci aux soignants. Merci aux soignants. Les soignants. Alors, je dis ça, mais je me moque pas du tout des soignants. Bien au contraire, je trouve qu'ils font du très bon boulot et que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce qu'ils font. Ceci dit, bah, il faudrait peut-être aussi qu'ils arrêtent de quand l'un d'eux se fait interroger par la télévision, hein, et ça serait bien qu'ils disent la vérité et non pas ce qu'on leur dit de dire. Ça serait aussi une bonne chose, ça. Parce que ça aussi, c'est pas normal. Alors, à 8 h du soir, maintenant, ça y est, ici aussi, à 8 h du soir,
On tape dans les casseroles pour... Moi, non, je tape pas. Ça ne veut pas dire que je ne les soutiens pas. Hein. Je les soutiens de tout mon cœur, vu que j'en ai fait partie, moi, des personnels soignants. Hein. Donc, c'est vrai que ça fait maintenant quelques années que j'en ai fait partie, mais j'en ai fait partie, donc je sais un petit peu ce qui se passe. Et du coup, en fait, les soignants, ils n'ont pas besoin qu'on tape sur les casseroles le soir à 8 h. Hein. Non, non, non. Le personnel soignant aurait surtout besoin d'aide, plus concrète, hein, genre des masques, des dépistages, qu'ils soient plus nombreux, je sais pas moi, qu'on ouvre des hôpitaux, qu'on remette les lits en place, parce que vous savez, du temps des deux autres monarques anciens, là, les petits monarques anciens, là. Il y a la ministre qui avait dit que les gens ne tombaient plus malades, donc ils avaient plus besoin d'autant d'hôpitaux, puis pas autant de lits. Bah ouais. Donc, elle a fermé les hôpitaux et puis disparu les lits. Voilà. Et puis après, il y a eu une épidémie, je sais plus, ça devait être la grippe d'hiver ou je sais plus. Enfin, il y a eu un truc quelconque. Et puis elle nous l'a reproché. Ah ouais, elle nous l'a reproché. Bah ouais, mais les gens, ils tombent trop malades. On se dit, il n'y a plus de place dans les hôpitaux, c'est la galère. D'où le fait que le personnel soignant, plutôt que d'être à l'hôpital, il s'est retrouvé dehors dans la rue pour protester parce qu'il disait, on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Ah non, forcément. Ah, notre cher ministre de la Santé de l'époque avait tout fermé, forcément. Ah ouais, après, dès qu'il y a une épidémie quelconque, que ce soit de grippe ou autre, bah, il y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de lits, il n'y a plus rien. Et ouais, donc après, ça a été notre faute. Bah oui, quelle idée aussi de tomber malade. Non, sérieux, sérieux. Hein? On vous donne tous les médicaments nécessaires qui coûtent une blinde et qui vont encore plus malade que ce que ça devrait être. Après, on nous reproche aussi le trou de la sécu parce que forcément, on tombe malade. Donc, ah merde. On fait un trou à la sécu. Un trou qui n'existe pas d'ailleurs, hein, mais bon. On fait un trou à la sécu et puis. Et puis, bah, il n'y a plus assez de lits dans les hôpitaux. Et puis, il n'y a plus assez d'hôpitaux d'ailleurs, parce que on tombe trop malade. Merde, on est con aussi. Hein. Quelle idée de tomber malade. Hein. Avec tout ce qu'ils nous font pour nous, tout ce qu'ils font pour nous, pour notre bien-être, pour qu'on soit toujours au taquet. Ouais. Pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, nous l'envoyer via toutes les saloperies. Ah bah, pour le coup, après, on développait des défenses, hein. Forcément, le corps il est là pour développer des défenses immunitaires, donc on développe des défenses immunitaires. Sauf que à force de développer des défenses immunitaires, trop de soldats, ils défoncent tout quoi. Donc du coup, bah on est malade et il n'y a plus moyen de soigner maintenant. Il n'y a plus assez de personnel hospitalier, il n'y a plus assez de lits, il n'y a plus assez d'hôpitaux. Ah, mais par contre, il y a les cliniques, il y a les cliniques privées, qui, elles, ont ouvert les portes, hein, pour accueillir tous les malades qui pouvaient être à droite et à gauche. Ah. Manque de bol, il n'y a pas de malades. Voilà. En tout cas, pas autant qu'on croyait et pas autant qu'on veut bien nous faire croire. Alors, pour ceux qui sont encore sceptiques, en disant que oui, la France, elle est dans un état catastrophique, vous vous rendez compte, il y a un virus là qui est en train de tuer tous les Français, tous les Italiens, tous les Allemands et tout. Et pour preuve, les journaux nous ont mis une photo où il y avait tout plein de cercueils en randonnant parce que c'était tous les malades qui sont morts de cette maladie. Mais si vous avez été un peu curieux, hein, plutôt que de croire tout ce qu'on vous dit, hein, si vous avez été un peu curieux et que vous avez été chercher la photo, parce qu'on peut, hein, chercher les photos maintenant sur Google, c'est très bien, parce que au final, vous prenez une photo, vous la envoyez sur Google, Google vous dit d'où elle vient, d'où elle provient et comment ça se passe. Voilà. Donc cette photo, elle a juste 1 ou 2 ans de retard par rapport à la vie qui se passe actuellement. C'est-à-dire que c'est une photo fake news et que la vidéo était une vidéo fake. Voilà. Donc les journaux aujourd'hui, ne sachant plus comment nous faire peur,
Eh ben, il nous montre des vidéos qui remontent à Mathusalem. Ah ouais, de façon à ce que vraiment, vraiment, on soit vraiment dans la peur, dans la peur, dans la peur, et que l'on attende avec impatience ce vaccin que tout le monde est en train de chercher de partout, de partout, de partout, de partout, de partout. Et que, moi, personnellement, je vous raconte peut-être des conneries, hein, mais bon, ça ne sera pas la première fois, ça ne sera pas la dernière. Mais moi, je pense que ce vaccin existe déjà. Mais comme, il y a un traitement, et que le traitement, alors le traitement du docteur Raoul a été repris par d'autres scientifiques qui ont trouvé effectivement que ça ajoutait à autre chose, soigner le virus complètement. Bah merde alors, les vaccins ne pourront plus être obligatoires. Ah non, c'est con, hein. Disons que, on va dire ça autrement, on va dire que ils vont faire en sorte de les rendre obligatoires, hein, c'est sûr. Ils vont faire en sorte de les rendre obligatoires, mais après vous avez le droit de refuser, puisqu'il y a un traitement. Donc, puis dans la foulée, dans la foulée, ils ont trouvé un test aussi, c'est bizarre, hein. Ça fait. Alors, on est en confinement depuis le 26 mars. Juste après les élections municipales, hein, c'est trop drôle, hein, parce que juste avant le microbe, il était pas contagieux, il était pas, non, juste avant ça allait, les écoles et tout allait bien, il n'y avait pas de soucis et tout. Et paf, juste après les élections, il est devenu contagieux, il est devenu mortel, il est devenu, wow. C'est hallucinant, ça. Comment est-ce que la vie peut être chamboulée comme ça du jour au lendemain? On a rien compris, on comprend rien, c'est. Ils nous disent ce qu'ils veulent, et tout le monde y croit. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors, il semblerait qu'il y aurait eu un pic, je sais pas, la semaine dernière peut-être, un pic virologique la semaine dernière. Et que là, ça y est, c'est en train de tomber. Ouais. Ah, bah ouais. Les gens, ils sortent des chambres de réanimation. Ouais, ils sont encore dans les hôpitaux, mais ils sortent de la chambre de réanimation. Donc c'est une bonne chose, hein, on va dire. Ça donne déjà un peu d'espoir. Et puis, il y a un peu moins de morts aussi, c'est pas mal aussi. Oh, par rapport aux chiffres qu'ils nous annoncent, c'est pas tout à fait juste, hein. C'est soit en plus, soit en moins, hein. Bon. Il y a un truc, qui m'a fait rire, c'est que bientôt on va nous dire qu'il y a plus de contaminés en France qu'en Amérique. Ah. C'est hallucinant, hein, quand on voit la France à côté de l'Amérique. C'est hallucinant. Moi, je trouve que c'est juste phénoménal. Il y a plus de contaminés en France qu'en Amérique. Ah ouais, mais en Amérique, ils n'ont pas encore eu le pic, c'est vrai. Nous, on est le futur de l'Amérique, en fait, finalement. L'espace-temps, l'espace-temps est comme ça, ce qui fait que on est passé devant l'Amérique. Donc, du coup, l'Amérique prend exemple sur nous, voit un peu comment on a réagi pour ne pas réagir pareil. Histoire qu'on ait un peu moins quand même. Histoire que les choses se passent mieux. Ouais. Et voilà. Et les absurdités de la 3D, elles sont là. C'est con, hein? Ouais, c'est ça. Ah là, ils disent qu'ils croient, il y en a qui font encore confiance au système. Ah, Dieu. Et ben, ceux-là. Ah, ils n'ont pas fini d'en chier, je vous le dis. Hein. Ah, ils n'ont pas fini d'en chier, non. Alors, moi, pour info, hein. Ouais, c'est ma boisson. Je l'ai amenée un peu au frais là. Alors moi, pour info, je veux rien de leur merde, hein. Non. Ni puce. Ah ouais, si j'ai pas la puce, je pourrais pas quitter la France. Bah merde. J'avais pas l'intention de quitter la France, c'est con, hein. Mais je m'en fous. Voilà. Donc voilà.
Alors, les infos que je vous donne, c'est pour ceux qui sont bien accrochés au système, hein. Ouais. Parce que moi, franchement, le système, il m'atteint pas. Moi, ils m'auront pas. Hein. Hors de question. Je refuse, c'est pas que voilà, je refuse littéralement tout ce qu'ils pourront me proposer. Donc, et puis quand je fais pas partie du système et que j'ai mon libre arbitre, j'ai le droit de refuser. Si je ne signe pas un papier en donnant mon accord, j'ai le droit de refuser. D'où ils m'imposeraient quoi que ce soit? D'où? Surtout des choses que j'ai pas signées. Ils font passer des lois, ils ont fait des référendums, ils ont fait des demandes à savoir, dis donc, oh les gars, on voudrait faire passer cette loi-là, vous êtes d'accord ou pas? Ah, ils vous l'ont dit à vous? Ah, pas moi. Ah, ils m'ont rien dit du tout, ils m'ont rien demandé. Non, non. D'ailleurs, ils m'ont mis en prison un peu pour les faire passer les lois. Mais alors, qu'un décret surplante une loi, alors ça. C'est encore du jamais vu ça non plus, hein, mais bon. Ça, c'est. Mais bon. Moi, comme je suis ouverte à tous les possibles, rien ne m'étonne. Voilà, rien ne m'étonne. Je vis tranquillement ma vie de prisonnière confinée ou de confinée en prison, je sais pas. Enfin, les deux, peut-être. Voilà, et je le vis relativement bien vu que je sortais déjà pas beaucoup avant, donc c'est pas spécialement un problème pour moi. Donc tout va bien, madame la marquise. Hein? Bah, vous voyez voir, on fait du soleil, hein? Et puis on se dit que, ben, on se dit que c'est dommage pour ceux qui croient encore à ce système. C'est dommage. Ah, bah, je vous plains, franchement, je vous plains de tout cœur. Ah, bah, je vous plains. Parce que vous n'avez pas fini d'en chier. Ah, ouais. Vous n'avez pas fini d'en chier. Vous, votre famille, vos enfants. Et ça, c'est absolument pas ni une accusation ni rien du tout. Hein. C'est juste un constat. Hein. Moi, même si je devais finir sous les ponts, sérieusement, même si je devais finir sous les ponts, je préférerais. Je préférerais. Parce que c'est pas comme si je connaissais pas cette vie-là. Hein. Je l'ai déjà connue. Hein, Ah, pas couché sur les ponts, mais pas loin, quoi. La vie sauvage, je l'ai connue. En arrivant en France, j'ai connu la vie sauvage. Donc, revenir à ce temps-là, ça me poserait pas de problème. Hein. Vu que je suis pas attachée au matériel et que si là, j'ai mon téléphone, c'est juste pour faire les vidéos. Mon téléphone, moi quand je sors, mon téléphone, à moins que j'ai décidé de faire une vidéo à l'extérieur, mais sinon les trois quarts du temps, mon téléphone il reste à la maison, donc je suis libre de faire ce que je veux, où je veux, d'aller où je veux. Et puis bah voilà, hein, pour ce qui est de ma carte d'identité, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc voilà. Que vous dire d'autre? Bah voilà. Pour moi, ça va. Et pour vous, ça va? Tout le monde va bien? On se protège, on se confine et on prend soin les uns des autres. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Puis profiter de ce temps hein, pour voir, pour observer. Hein. Observez bien, observez bien. Observez bien. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas écouté l'élocution de. Du petit monarque, mais si vous l'avez écouté, je sais pas, voyez ce qu'il a dit, observez et regardez. Si vous avez encore un quelconque espoir en lui, je suis désolée de vous le dire, mais il n'y a plus d'espoir pour vous en tout cas. Je sais pas si vous avez encore un espoir en lui, mais alors si c'est le cas, je suis désolée de vous dire que pour vous, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Si vous comptez sur eux pour vous sortir de la merde dans laquelle ils nous ont mis, ben, vous pouvez attendre longtemps. C'est juste hallucinant de voir comment les gens sont accrochés à des choses. Et encore une fois, c'est pas ni un jugement ni rien du tout. Hein. C'est de l'observation. Voilà.
Moi, j'observe devant quoi? Ouais, j'observe. J'aime bien observer. J'aime bien. Après, je vous dis pas, hein, je suis pas, je vais pas chercher, je vais pas faire toutes les recherches. Bah, d'ailleurs, j'ai pas besoin de faire toutes les recherches parce que, comme je me connecte à mon âme, et elle m'apporte, elle fait en sorte que je sois au courant des choses, donc j'ai pas besoin d'être dans le système. Elle m'apporte ce que j'ai besoin de savoir. Ce que j'ai pas besoin de savoir, je m'en fous. Moi, je fais confiance. Voilà. Alors, advienne que pourra. Ça arrivera ou pas, j'en sais rien. Bon. J'ai aussi vu que le pape allait déclencher le nouvel ordre mondial le 20 mai. Le 20 mai. Le nouvel ordre mondial le 20 mai. Ouais, bah, quand on sait qu'aussi que il a refusé à être le vicaire du Christ, on sent bien qu'il y a un truc pas net qui se cache là-dessous. Mais alors moi, je me pose la question, c'est que comment il va pouvoir mettre en route le nouvel ordre mondial à partir du 20 mai, alors qu'il est sous surveillance policière? Je pense que ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Lui et tous ses acolytes sont sous surveillance policière. Je sais pas. Ça va être compliqué. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas comment ça va se passer. Puis de toute façon, je m'en fous parce que déjà, la religion. Moi, c'est juste. J'observe. Hein. Comme je vous dis, j'observe. Je suis d'aucune religion. Moi, la seule religion, c'est mon Dieu créateur et je travaille pour la lumière. Hein. Rien d'autre. Hein, mais j'observe. Et puis peut-être qu'en observant, si je pouvais, enfin, si ça pouvait faire tilt dans chez certaines personnes qui sont en train de s'éveiller, ça serait pas plus mal non plus. Ça serait ma petite contribution. Alors, je veux pas révolutionner le monde, hein, ça servirait à rien. Hein. De toute façon, il n'y a rien à révolutionner, hein, tout est très bien, tel que c'est. Hein, ceux qui doivent se réveiller se réveillent, ceux qui ne doivent pas se réveiller se réveilleront pas. Hein. C'est dommage, hein, j'ai de l'empathie pour eux, mais c'est comme ça, hein. On n'y peut rien. Hein. Soit les gens ils y croient, soit les gens ils y croient pas. Hein. On ne peut pas forcer les gens à changer, on ne peut rien faire. Et puis ça ne serait pas de l'amour au final, parce qu'obliger quelqu'un à changer, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est de le laisser tel qu'il est et de changer de par lui-même quand il l'aura décidé. L'amour, c'est ça. C'est pas l'obliger. Sans compter qu'en plus, au-delà de ça, il y a leur libre arbitre. Chacun son libre arbitre et chacun fait ce qu'il veut au moment exact où il veut. Voilà. Mais bon, c'est pas une fois que le rocher il est écroulé qu'il va falloir dire au secours. Rocher il est écroulé, hein. Pas pouvoir y faire grand-chose. Hein. Moi, j'ai décidé de vivre à la campagne. Il y a peut-être une raison, non? Je sais pas. Je sais pas. Enfin bon, voilà. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. On est mardi aujourd'hui, donc je vous souhaite une très bonne journée de mardi. Après le lundi de Pâques, c'est le mardi, voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée et puis prenez soin de vous, profitez du confinement et choisissez votre camp. Il est encore temps, mais pas pour longtemps.